Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de notions qui sont très récurrentes dans le domaine de réseautique. Donc, en l'occurrence, on va se concentrer sur trois grandes parties. Il y a trois grandes notions, c'est-à-dire d'une part le VLSM, qui est une notion qui était proposée pour abolir la notion de classe. D'ailleurs, c'est cette notion la plus adaptée à la taille d'Internet. Et aussi la notion de RIP version 2, c'est un protocole de routage. Et enfin le VPN, qui est bien sûr un réseau virtuel privé. Alors la première partie VLSM. Voilà, pour illustrer ce que je viens de dire, je vais utiliser un schéma qui va être comme suit dans ce logiciel Cisco Parallax Tracer. Donc voilà, on va utiliser. Premièrement, on va poser le routeur. Voilà, le deuxième. Voilà, donc ça va être relié si vous voyez, bien sûr. Voilà, ça peut être ici le switch. La même chose ici. La même chose ici. Et enfin aussi, on va pas oublier bien sûr les machines. On va mettre par exemple une machine, ça peut être plusieurs, mais non, c'est pour donner juste l'exemple. Ici, et enfin ici. Maintenant, on va passer bien sûr au câblage. On va éloigner un peu ici pour créer l'espace et bien organiser notre schéma. Voilà, on va mettre bien sûr le câble entre le switch, ici, là. Même chose ici. Même chose ici. Et enfin, on va mettre aussi le câble ici. Voilà. Et enfin voilà, donc pour ces deux routeurs, pour les relier, j'ai décidé de faire une liaison série. Donc avant de mettre la liaison série, bien sûr, il faut ajouter les ports. On va faire bien sûr, voilà, on va un peu éteindre le routeur et lui ajouter ce port ici, et enfin le rallumer. Sinon, on va attendre qu'il se configure. La même chose ici, on va l'éteindre, ici on va ajouter le port et on va l'allumer. Sinon, vous avez remarqué que deux ports séries se sont ajoutés, et on va les utiliser pour brancher notre câble série bien sûr. Donc voilà. Le câble série qu'on va utiliser. 0, ici, c'est bien, bien. Voilà. Donc, c'est ça pour ce qui est de câblage. Après la phase du câblage, maintenant on va passer à l'adressage. Bien sûr, l'adressage, c'est une phase qui est indispensable pour ce qui va venir, sur l'acheminement des messages, la routing, tout, le VPN et tout. Bien sûr, dans mon exemple, j'ai choisi d'utiliser l'adresse, bien sûr, 192.168.1.0. Et pour le nombre d'hôtes, bien sûr, ici, on va donner par exemple 44. Ici, on va un peu considérer que sont des sous-hôtes. Ici ce réseau, bien sûr. Premier sous-réseau, bien sûr. Ici, on va donner par exemple 20. Ici, la même chose, 20. Et ici, enfin, 10. Donc voilà, on va utiliser cette adresse pour découper les sous-réseaux sous forme que chaque sous-réseau va
contenir les adresses qui vont être convenables à l'utilisateur. Ah, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on va découper cette adresse sous des sous-réseaux. Bien sûr, on va commencer par compter les sous-réseaux. Bien sûr, on a ici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. Le sous-réseau où il y a ici 44 hôtes, ici 20, 20, ici 10. Bien sûr, on va prendre ici 2 par exemple. On va prendre 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Le reste pour chaque routeur, bien sûr. Voilà, pour vous expliquer comment on va procéder, j'ai décidé d'utiliser un éditeur de texte, bien sûr, en bloc notes. Donc voilà, j'ai écrit l'adresse qu'on va utiliser. Et bien sûr, la notion qu'on va utiliser, le VLSM. Donc, c'est une notion qui a, comme je disais tout à l'heure, qui a remplacé la notion des classes qui est un peu obsolète. Bien sûr, de nos jours, bien sûr. Donc voilà. Voilà pour illustrer, pour vous expliquer un peu. Après, ça vous reste bien sûr. Donc, vous savez bien qu'elle contient. C'est déjà l'adresse de classe C. Donc, c'est un slash 24. Et elle contient. Bien sûr, 254 adresses machine utilisable. Donc, si on la découpe en deux, on va avoir bien sûr un slash 25. Il va continuer à son tour, bien sûr, 126 adresses. Donc, ce slash 25 va découper l'adresse en deux. Va nous donner deux sous-réseaux avec 126 adresses réseau chacun, bien sûr en plus des adresses réseau et des adresses broadcast. Voici, donc c'est la même chose, on va ajouter slash 26, slash 27, et on slash 28, slash 29, et enfin slash 30. Donc pour le slash 26, on va retourner au début. Pour le slash 26, il va y avoir bien sûr, on va y avoir 60 réseaux, 60 adresses machines utilisables. Donc dans cet exemple, on a découpé l'adresse en 4 sous-réseaux avec chacun 60 réseaux, adresses réseau utilisables, adresses machines pardon utilisables. Ici, le slash 27, donc il va y avoir bien sûr 30 avec x8 plus l'adresse réseau, l'adresse podcast. Slash 28, dans le style 14 adresses. Ici, on va y avoir 6. Et ici, on va y avoir 2. On va faire un peu le lien avec ce qu'on a fait tout à l'heure. On avait dit, on va retourner l'émission, on avait dit qu'on avait ici, on avait ici 9 sous-réseaux, donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, et les autres, les 5 entre les deux hauteurs. Donc on avait dit aussi qu'on a fait pris 44 hôtes pour le premier, 20 pour le deuxième, et 20 aussi pour le troisième, et 10 pour le quatrième, et les autres, on avait dit qu'ils vont prendre 2. L'adresse machine, bien sûr, on va commencer par le premier, on avait 44. Donc la règle c'est de prendre le minimum des valeurs les plus grandes, de 44. Bien sûr, on avait 26, 62, donc la plus petite c'est 62. Donc on a pu prendre bien sûr 126, on va prendre un slash 25, mais le problème c'est le VLSM, c'est pour ça qu'il est créé le VLSM, c'est pour ne pas gaspiller bien sûr les adresses. Donc c'est ça qu'il va choisir, voilà. Pour le deuxième, on avait dit 20. Donc, on va aller ici. Donc, le maximum, le minimum de valeur le plus grand, c'est bien sûr 30. Donc c'est ça, c'est pour le deuxième. Pour le deuxième et troisième, c'est raison. Et pour le quatrième, on avait dit 10, bien sûr. 10, et bien sûr, on va prendre celui-là. Et pour les autres, on avait dit pour chaque sous-réseau entre deux hauteurs, il y avait 2. Donc, on va prendre celui-là, bien sûr.
Donc ça c'est pour le choix des adresses. Donc maintenant on va commencer à configurer nos machines et nos routers bien sûr. Voilà, interface fast Ethernet 01. On va faire IPAD. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est 2.55. Donc 12.168.1.154. On va la même chose, on va ajouter le masque. 31.52. Voilà. Et enfin, pour on va faire un exit aussi. Et pour l'interface série, on va faire interface série, série out. C'est le 0, 0, 0, voilà. 0, 0, voilà. Et on va ajouter notre adresse. Donc c'est 192. 1.61. Comme vous voyez, c'est la même méthode qui va se répéter pour chaque routeur. Donc vous voyez ici, donc vous voyez, l'important c'est de mémoriser ces commandes, c'est les adresses, les interfaces, l'exit aussi, le shutdown. Donc ce routeur là a été configuré. On va passer à ce routeur. Voilà, on va faire un très bon privilégié. On va faire un config. Puis on va faire l'interface. C'est fast Ethernet 0.0 qui est celui là. On va lui affecter l'adresse IP. On va faire 192.168.1.1. Voilà, avec le masque 255.255.255.192. Voilà, et on va faire un exit. C'est très bon. Notre interface qui est. On va faire un IP pad adresse. On va affecter l'adresse 168.1.157. Là, ça serait le nombre 255.255.252. Voilà pour ce qui est configuration du routeur. Après, c'est le même travail que façon de produire sur le routeur. Par exemple, la configuration de ces routeurs va être la même pour celui-là. La configuration de ce routeur va être la même pour les autres aussi. Donc, pour ne pas un peu rendre cette vidéo un peu trop longue, je vais couper et je vais configurer ce routeur. Là, on va configurer les ordinateurs. Configuration de l'ordinateur va être comme suit. Entrée dans ici, on va la date d'accès de on va faire ça 2. Soit quand ça va passerait, ça va permettre à ce réseau de se connecter ou d'aller aux autres réseaux qui sont ici, par exemple, au lieu que celui-là. L'adresse va être 168.1.1.1.
Voilà, après la phase, bien sûr, de l'adressage, on peut notamment faire une petite remarque qui est que seuls les routeurs et les ordinateurs du même réseau peuvent communiquer entre eux. Par exemple, si on fait dans sa PNT routeur, ça marche, on fait ce qui suit. Mais si on fait un ping d'un ordinateur qui appartient à un réseau à un autre ordinateur qui appartient à un autre réseau, on voit ça fait, donc ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'on va bien sûr utiliser ce qu'on appelle le routage. C'est-à-dire qu'on va configurer chaque routeur qui va faire en sorte que chaque ordinateur d'un réseau va communiquer avec un autre d'un réseau différent. Donc notre exemple de routage va être bien sûr, notre type de routage qu'on va utiliser va être le RIP version 2. Donc pourquoi version 2 spécialement, c'est juste seulement parce qu'on a utilisé le VLSM. Donc, il y a d'ailleurs la RIP version 1 qui ne supporte pas le VLSM, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette version 2 parce qu'elle supporte le VLSM au contraire de sa première version. Et maintenant, la deuxième partie qui est le RIP version 2. Là, maintenant, on va commencer la configuration. On va commencer bien sûr par le routeur 1. On entre dans le mode CVI. Voilà, on met Enable. On entre dans le mode privilégié. Et on fait la commande routeur RIP. Voilà. Et puis on va définir la version, bien sûr, version 2. Puis on va faire cette commande qui est un peu nouvelle, qui s'appelle network. Donc pour les composants de cette commande, c'est bien sûr on fait network, puis on va bien sûr définir les sous-réseaux qui sont attachés, qui sont liés à ce réseau qu'on est en train de configurer. Bien sûr, pour ce routeur, les réseaux qui sont liés directement sont ça, c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Si on prend ce routeur, il a justement deux, voilà le premier et le deuxième. Donc voilà, c'est justement pour ces deux routeurs qu'on a trois. On doit les configurer bien sûr. Donc le premier c'est bien sûr 192.168.1.144. Vous voyez, on n'a pas de masque. Donc on est directement sur le réseau. Voilà, le premier. Le deuxième, c'est 160. Et le troisième, c'est 148. Voilà. On a maintenant fini avec le routeur 1. On peut passer maintenant avec le routeur 5, par exemple. Voilà. On fait la même chose. Et niveau. Et le network, voilà, là on définit les sous-réseaux qui sont liés directement, sont exactement celui-là et celui-là, voilà, celui-là pardon et celui-là, donc ça c'est 192.168.1.128 et le deuxième qui est 100.1.144, voilà. Donc bien sûr, vous avez bien sûr ce qu'on a l'idée, c'est très simple bien sûr. Donc on se rencontre après quand on configure. Donc on a fini la configuration RIP version 2, maintenant on peut faire des tests. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a fait un test de cet ordinateur à cet ordinateur, ça n'a pas marché. Maintenant on va faire un test, voilà, là on remarque que ça marche. On pourra faire aussi le test entre ordinateur et celui-là, donc voilà, c'est successful, donc le ping ça marche, tout va bien, la configuration est à marcher. Et enfin la troisième partie, le VPN. Voilà, maintenant on est arrivé à la phase finale de notre configuration, c'est à dire on va maintenant configurer le VPN entre le routeur 1 et le routeur 0. Déjà, c'est quoi le VPN? Bien sûr, comme le nom l'indique, c'est un réseau virtuel privé. Virtual Network, Private Network. Donc, à quoi va servir ce VPN? Bien sûr, c'est essentiellement pour la sécurité. Donc, si deux entreprises ont deux filières, par exemple, sont deux filières distantes, elles veulent se communiquer à travers Internet,
Bien sûr, l'utilisation du VPN va être la plus utile. Pourquoi? Parce que ce VPN va créer un réseau privé dans Internet. C'est-à-dire, on sait tous que dans un réseau privé, la sécurité est plus compacte qu'un réseau dans Internet. Bien sûr, le VPN, c'est son rôle, il va créer un réseau privé dans Internet. Ce qui va faciliter. Ce qui va un peu renforcer, consolider la sécurité. Là, pour la configuration, on va commencer par le routeur 1. Voilà. On va entrer dans le mode privilégié. On va faire configuration terminal. On va faire cette commande internal. Alors, internal, c'est comme le canal où les messages vont transiter, bien sûr. On va l'appeler canal 1. On va maintenant faire le channel source qui va bien sûr être cette interface, bien sûr, dans le routeur 1, bien sûr, c'est cette interface de channel source. Donc c'est la serial 0.0.0. Et ensuite le channel destination qui va être bien sûr cette interface. Bien sûr, il ne connaît pas l'interface, donc on va lui donner l'adresse 98.1.1.1. Ensuite, on va le VPN, bien sûr, il a besoin d'une autre plage d'adresse pour qu'il fonctionne. Il ne va pas utiliser, bien sûr, les plages d'adresse existantes. Donc, on va créer une autre plage d'adresse, par exemple une /30, et on va donner bien sûr 68.1.165. Voilà, avec le masque 65.1.152. Voilà. La configuration pour ce routeur est terminée. On va bien sûr aller dans notre routeur. Voilà. On va effectuer la même configuration. Voilà. Et bien sûr ça 1.62, et enfin l'adresse avec qui les messages vont sortir du réseau, bien sûr, c'est IPAD, voilà, 192.168.1.166. Vous vous rappelez le 3 de 165, maintenant c'est 166 avec le même masque, bien sûr. Rappelez, au début de la vidéo, on a fait le découpage avec /30. Donc ça donne deux adresses machine. Voilà. Donc pour le faire. Donc maintenant, on a terminé notre configuration, bien sûr. On a maintenant un VPN entre ça et ça. Maintenant, si le message entre. Sort de ce réseau pour accéder à celui-là, il va bien sûr prendre le chemin du VPN. Maintenant, notre vidéo est terminée. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien sûr acquis des choses. Bien sûr, ça reste que bien sûr des bases dans le domaine du réseau chic. Bien sûr, j'espère que je vais faire d'autres vidéos, bien sûr, et à bientôt.